Welcome mon poteau, ici Aaron Blazer, j'espère que vous allez bien en tout cas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Adieu BO3, et oui, au revoir à toi mon poteau. Alors dans cette vidéo, voilà, je vais vous parler un peu de Black Ops 3 vu que c'est la fin. Alors cette vidéo sera postée à mon avis dans la nuit ou très tôt ce matin. Voilà. Pour le gameplay qui est en fond quand même, on va peut-être préciser ce que c'est, même si bon... voilà, c'était un petit retour sur Black Ops 3. J'étais sur Infinite Warfare et je suis allé en retour sur Black Ops 3. Du coup, ben voilà, je me suis fait péter, oui et non. On va dire, je me suis fait un peu péter, mais d'un autre côté, ça va. Bref, aujourd'hui, les potos, ben voilà, Call of Duty Black Ops 3 signe tout simplement son arrêt de mort. Non, c'est horrible de dire ça comme ça, mais voilà, les potos, c'est terminé. Black Ops 3 est terminé. Il est terminé. Donc ben voilà, le nouveau Call of va sortir très prochainement, là le 4 novembre. Voilà, il va sortir, il va être tout frais. Même si je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont rester, mais sur Black Ops 3, moi pour ma part, je vais passer sur Infinite Warfare et Code Cadre Masterisé. Et ouais, moi je vais aller sur les deux Call of, rien à foutre, moi. Pas les couilles! Non, non, franchement, écoutez-moi. Trêve de plaisanterie. Voilà, non, non, sérieusement, je vais... Moi, personnellement, je vais passer sur les autres codes. Parce que voilà, Black Ops 3, pour moi, ça va être la fin, les potos. J'y ai joué, et du coup, ben, on va retracer un peu mon parcours. Voilà, mon petit parcours que j'ai fait sur ce Call of Duty Black Ops 3. Alors, je commence le jeu très difficilement. Car c'était vraiment le premier Call of que j'avais en début d'année, etc. Voilà, un tout nouveau style de mouvement, vu que là c'était un jetpack que tu pouvais modérer, c'était pas comme AW, c'était vraiment un jetpack chelou. Donc voilà, j'ai galéré pendant au moins deux voire trois semaines pour galérer à me familiariser avec Black Ops 3. Mais tant bien que mal, j'ai réussi, voilà, etc. Et je vais pas parler de YouTube, hein, là je parle vraiment de Call of. Donc voilà. Après plusieurs mois, à peu près 5 mois de jeu intense sur Call of Duty, je débloque tout simplement mon Dark Matter et je suis niveau tout simplement 200, dans les 200 level Met Prestige, voilà niveau 200 et quelques, et je débloque mon Dark Matter. Je suis super content. Et du level 200, je passe au level 800. Voilà. Jusqu'à une soirée où tout simplement je jouais en zombie où j'étais prestige 2 niveau 4. Jusqu'à une partie de zombie où avec un pote à moi on était manche 30 ou un bail comme ça. Et que ça nous déco de la partie. Voilà, vous savez, ça arrive ces bugs là où ça te déco. J'ai ragé et je me suis fait un petit nouveau départ, c'est-à-dire j'étais niveau 1, j'avais plus Dark Matter, j'avais plus mes classes, je devais recommencer le jeu vraiment à zéro. Suite à ça, je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup regretté d'avoir fait ce geste, mais malheureusement, je l'ai fait quand même. Heureusement, j'ai su l'assumer bien comme il faut. Voilà. Et puis bah, ça m'a redonné un peu, en fait d'avoir fait ce nouveau départ, etc. Ça m'a donné plus envie de jouer à Black Ops 3, donc j'ai fait une grosse pause. Et je suis passé sur l'autre FPS, Rainbow Six Siege, jusqu'à ce que je retourne sur Black Ops 3. Alors voilà, après plusieurs mois intenses de jeux vidéo, je parviens à faire mes premiers plus 100 kills. Et un nombre incalculable de nucléaires, non, je rigole. Non, et un nombre plutôt pas mal de nucléaires. C'était vraiment le premier Call of où j'avais sorti des nucléaires comme ça, d'affilée, etc. Où j'enchaînais, donc vraiment très content. Donc après, arrive bientôt déjà la fin de mon parcours sur Black Ops 3. Voilà, j'arrête de jouer de plus en plus. Je vous fais des classes setup, etc. J'essaie de m'améliorer de plus en plus jusqu'à arriver où tout simplement il commence déjà à sortir le petit code cadre masterisé pour jouer à la campagne
où déjà je délaisse Black Ops 3 pendant une à deux semaines entières. Puis je reviens un peu sur ce Black Ops 3 et depuis je faisais que jouer au snipe. Voilà, P06 Locus, quand même tu sais. Jusqu'à que ça m'a pété les couilles. Et que là, ils annoncent la bêta d'IW. Dès qu'ils ont annoncé la bêta d'IW et tous les trailers d'IW, même s'ils étaient déjà révélés avant Code 4 qui sorte. Boum, j'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai demandé en deux spies à mes parents, tout simplement, s'ils pouvaient me précommander ce Infinite Warfare et ce Code 4 remasterisé. Avec leur bonne foi, ils ont accepté. Et ce qui fait que j'ai pu jouer à la bêta d'Infinite Warfare, tout simplement, le 15 octobre. Vous savez, il y avait les décalages. Hein. Pour ceux qui ont connu la bêta, vous savez qu'on n'a pas pu y jouer le 14 octobre comme c'était prévu. Bon, bref, on va pas y revenir. Du coup, je joue à la bêta le 15 octobre et je délaisse Black Ops 3 pendant tout un week-end. Et j'y reviens la semaine et la deuxième bêta, bah là, elle est en cours. Et franchement, je sens Black Ops 3 se finir. Voilà, j'ai plus trop envie d'y jouer. Voilà, ça me délaisse, j'ai plus trop rien à faire. Voilà, l'hardcore, je veux plus y aller. Le normal, j'ai du mal. Mes classes sont très bonnes et je fais toujours des bons scores, attention. Hein. Des 80 et des 60 kills, je vous en claque toujours, attention. Mais voilà, ça se délaisse, ça se délaisse, ça se délaisse. Jusqu'à arriver à un point où, ben voilà, à force, ben, ce Call of commence à me saouler. Alors pour moi, c'est un très bon Call of Duty, j'ai jamais craché dessus. Nulle part, jamais, jamais dit que Black Ops 3 était de la merde, sauf sous l'emprise de la rage. Sinon, j'ai jamais tout simplement eu ce type de... Moi, je l'ai kiffé, enfin voilà, je l'ai toujours dit, moi, ce Black Ops, je l'ai kiffé, voilà. Je vais pas dire que c'est le premier Call of non plus, mais si, on peut dire que c'est l'un de mes premiers Call of que je joue vraiment toute une année, que je sèche, que je tryhard, etc. Voilà, vous m'avez suivi sur ce Black Ops 3, hein, avec mes délires avec mes potes, avec de la rage, avec de la joie, avec mon arrêt YouTube sur Black Ops 3. Et non, mais franchement, les potos, allez, on revient dans le sérieux un peu. Non, mais voilà, moi, personnellement, Black Ops 3, voilà, j'ai kiffé ce jeu, mais malheureusement, voilà, tu vois, là déjà, la bêta d'IW, j'y passe énormément de temps. Je repassais juste sur Black Ops 3 pour vous faire cette petite vidéo, mais vous allez voir, hein, vous avez vu dans le gameplay, franchement, je me fais péter. Même si, voilà, c'est pas toutes les games comme ça, hein, en temps normal, je me fais pas péter. J'arrive encore à jouer, je pète toujours des darons. Comme d'hab, je suis toujours le Iron que j'étais dans mes vidéos. Black Ops 3, mon level il est toujours là si vous voulez, mais l'envie baisse un peu mon niveau. Je m'explique. Moins t'as envie de jouer à un jeu, moins t'es fort, c'est logique. Donc voilà, là pour l'instant ça va, mais déjà ce game là qui signe un peu déjà mon arrêt sur Call of Duty, ma perte de niveau qui va commencer à arriver vu que voilà, hein, c'est logique. Plus tu joues à un jeu, plus tu vas être fort dedans. Moins tu joues au jeu, moins... Quelqu'un qui n'a jamais joué à FIFA et qui va jouer contre un mec qui sèche FIFA, je vais pas vous dire qui c'est qui gagne. Moi, tu me ramènes un mec qui a jamais joué à Call of Duty Black Ops 3 et au COD en général, mais je lui mets une nuque comme je veux, voire double nuque, tu vois. Donc c'est pour ça, mais bon... Ah là, les potos, vous voyez, il faut... Je l'ai kiffé, ce Black Ops, et puis franchement, voilà, très bonne réussite, mais l'envie n'y est plus maintenant pour jouer. J'ai des très bonnes classes, comme je vous ai dit. Franchement, c'est juste, voilà, par envie que c'est la fin pour moi. Du coup, j'espère que pour vous, vous allez un peu aussi décrocher de Black Ops 3. Désolé à ceux qui peuvent pas avoir la chance de s'acheter par manque d'argent ou quoi, Infinite Warfare et Code 4 ou juste Infinite Warfare. Et pour ceux qui n'aiment pas Infinite Warfare et qui vont rester une année de plus sur Black Ops 3,
C'est votre choix. Qui fait encore une année supplémentaire de Black Ops 3? Moi, voilà, moi je voulais sur cette fin. C'était Iron Blazer qui s'est fait un peu péter. Ouais, bah c'est normal, hein. Voilà, vous voyez, mais cette game, voilà, elle signe déjà que je perds mon niveau. Après, sur ce, je vous laisse sur cette fin. C'était Iron Blazer. N'hésitez pas à liker, partager et commenter ma vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, c'était Iron Blazer. Vous connaissez la parole. Bye bye.